Viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la présentation de l'épisode de Fallout 3. Et non pas un nouvel épisode justement, une information. Donc chers amis, si vous me voyez à nouveau dans cette information sur le menu principal, et pas comme dans le précédent épisode de Fallout 3 sur le jeu, c'est pour une excellente raison, c'est que j'ai enfin pu obtenir de la part de Gamesnet.com le jeu Fallout 4 pour vous, pour le faire sur la chaîne. Donc je voudrais d'abord remercier donc GamesPlanet de m'avoir offert ce jeu à nouveau, comme ils l'ont fait avec Mad Max, parce que bon, c'est un beau geste de confiance. Donc, il arrivera sur la chaîne normalement le jour de sa sortie, j'essaierai d'en tourner une, de la monter et de l'uploader dans la journée pour vous. Pour ça, il n'y aura pas de problème normalement. Donc je ne ferai pas de vidéo information sur le jeu avant qu'il arrive. Pourquoi ? Pour plusieurs bonnes raisons. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos Fallout. Deuxièmement, ceux qui me suivent sur l'univers Fallout vont pas être trop dépaysés. Il va y avoir des nouveautés, des ajouts, mais pas trop de dépaysement. Ce qui est à la fois une bonne chose et une chose, plus rassurante. Vous savez, une chose qui est bien, parce que bon, le jeu est déjà bon en soi, et rassurant dans le sens où, de ce côté-là, on n'aura pas de trop grosse déception, on va dire, je pense. Il y aura des ajouts qui m'ont l'air juste épiques. J'en ai déjà parlé, je vais pas... Pour ceux qui vont arriver sur la chaîne récemment, je vais pas en parler pour leur garder la surprise. Donc voilà, encore une fois, un grand merci. Je vous invite quand même à cliquer dans les liens descriptifs de l'épisode vers mon partenaire GamesFate.com. Eux, ça leur fera plaisir. Voilà donc pour la grosse information. Sinon... Comment dire ? Vous avez pu remarquer peut-être que j'ai intentionnellement mis le logo GamesNet.com dans les vidéos du jeu de la bêta Star Wars Battlefront. Je vous invite à retourner dans la vidéo Appel aux armes si vous le souhaitez, pour mettre des plus 1 entre guillemets, commenter au sujet de votre désir ou non, pour ceux qui l'ont, de voir ce jeu sur la chaîne. Donc voilà déjà principalement les choses dont je voulais vous parler. Encore une fois, je voudrais aussi vous revenir sur vous, parce que vous êtes géniaux. Merci d'être aussi fidèle à la chaîne. Je vois que les chiffres augmentent toujours. Je vois les abonnés, les vues, c'est génial. Je vous invite par contre, cependant, comme d'habitude, à partager les vidéos. Ce sont d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître, les amis. Je vous en remercie, parce que c'est vraiment fonctionnel. C'est vraiment efficace, surtout. Je sais aussi que vous attendez les lives. J'ai fait un test live sur Twitch. Ça fonctionne. Maintenant, on me dit aussi de partager Twitch et YouTube. Bon, bonne chose. C'est une bonne chose. Je sais pas encore quel jeu quel genre de jeu je vais mettre à live. J'ai bien envie de farmer un petit peu du Elite Dangerous dessus, donc je pense que je vais le faire. Donc, vous savez que j'ai des crédits à farmer donc dedans, donc bon, je vais peut-être le faire avec vous. Il est possible aussi que je fasse du Robocraft en fait, il est possible que quand je fais une session de live, ce sera pas une session de live sur un jeu complet. Voilà, surtout ça que je voulais dire. C'est-à-dire que je pourrais par exemple commencer sur Robocraft pour me mettre en jambe, entre guillemets, pour me faire bien rager dès le début. Ensuite, je passerai peut-être pour, je sais pas, je ferai 3-4 parties de Robocraft, une heure de commande... Des Dangerous, voilà, je vais y arriver. Et ensuite, je passerai par exemple à... Je sais pas. Je passerai à... peut-être une heure de Guild Wars. Je sais pas, je suis sur Guild Wars en ce moment, donc bon. On pourrait peut-être faire ça, je sais pas. À vous de me dire, si ça vous intéresserait. Donc voilà les amis, moi je pense en avoir fini avec ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette information, principalement basée sur Fallout 3 et Fallout 4 donc. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être aussi fidèle à la chaîne et aussi sympathique. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres vidéos, informations et d'autres nouveaux jeux sur la chaîne. Salut les gens!